c'est le Noël indien depuis dimanche et pendant 5 jours, une nouvelle année économique qui s'annonce radieuse pour l'Inde. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour David. Ah, ça y est, je l'entends. Ça va? Oui, ça va très bien, oui. Ouais, Philippe Escan, éditorialiste au Monde. Alors cette fête, je l'ai appris en vous lisant, c'est Diwali. C'est la fête qui célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres. Intéressant ça. Oui, bien sûr. Oui, c'est tout un symbole. Ça ressemble effectivement à beaucoup d'autres fêtes religieuses du même type, à commencer par Noël, hein, qui est aussi la fin de la nuit et le début d'une nouvelle ère, donc dans l'Inde du Sud, dans l'Inde du Nord plutôt, pardon, c'est aussi le début de la nouvelle année, enfin c'est les deux vont souvent ensemble, et donc c'était un peu l'occasion aussi de faire un petit zoom sur ce pays qui est le pays qui a eu la trajectoire peut-être la plus étonnante de ces 10 dernières années dans les pays émergents. Et notamment par sa croissance économique qui a été la plus forte de celle des grands pays mondiaux depuis au moins 5 ans. Oui, alors la nouvelle année, on le sait, hein, Philippe, on se souhaite le meilleur. Il y a les bonnes résolutions, tu as d'ailleurs aussi, ça sera pour bientôt pour nous tous. Et ça tombe bien parce que s'agissant de l'Inde, au-delà effectivement de cette dynamique exceptionnelle, c'est aussi l'année de tous les espoirs pour l'Inde. Oui, c'est l'année de tous les espoirs. Alors, dans tous les espoirs, dans un contexte qui évidemment est un petit peu difficile. Alors, aujourd'hui a été publié le taux d'inflation, hein. On sait bien que c'est un indicateur qui est suivi dans tous les pays du monde avec des résultats assez contrastés. En Inde, il a été un peu moins de 5%, hein, 4,87%. Donc, c'était un sujet d'inquiétude. Mais c'est vrai que aujourd'hui, l'Inde est sur une dynamique et sur une dynamique d'espoir qui est due effectivement à son rebond économique spectaculaire, à sa démographie. Hein, on sait que l'Inde a dépassé la Chine en population et elle a une population beaucoup plus jeune, ce qui est très important évidemment pour la suite de son aventure. Et puis aussi évidemment des investissements qui ont été faits ces dernières années dans les infrastructures, une réforme aussi de la fiscalité. On sait que l'Inde est un pays compliqué avec ses États très morcelés, et donc la fiscalité, notamment sur les taxes sur les biens, a été unifiée au niveau fédéral. Donc tout ça, ça a installé, hein, l'Inde sur une trajectoire beaucoup plus optimiste aujourd'hui. Ouais. Alors, il y a plein d'infos dans ce que vous venez de nous dire là. Philippe, déjà, je reviens juste sur l'inflation, ce qui est d'assez fou. Là, encore une fois, je l'ai appris en vous lisant, c'est que lentement, on est sous 5% quand même d'inflation là-bas. Je ne sais pas jusqu'à combien ils sont montés, mais la Banque centrale indienne n'a pas eu besoin de remonter ses taux d'intérêt. Oui, alors c'est remonté en fait en juillet à 7%. En fait, le gros problème, et qui embête beaucoup les politiques d'ailleurs, c'est la hausse des prix de tout ce qui est alimentation, hein, notamment les légumes. C'est évidemment des très gros consommateurs de légumes, de riz, d'oignons. Et tout ça a connu ces derniers mois des augmentations très spectaculaires, parfois au-delà de 20%, hein. Notamment dû au fait que la mousson est très peu abondante et donc les récoltes ont été particulièrement modestes. Ouais, c'est ça, particulièrement modeste. Et c'est un souci évidemment pour les politiques parce que la population est extrêmement sensible à ces sujets, ça concerne directement. Et il se trouve qu'il y a des élections régionales dans 5 États bientôt et en 2024, la réélection à la tête du pays et Narendra Modi vise un troisième mandat. Et donc, il a évidemment intérêt à cajoler sa population et à éviter que les prix dérapent, parce qu'on sait que c'est le premier facteur de mécontentement en général des populations, et ça se retrouve dans les bulletins de vote.
L'Inde, c'est la cinquième puissance économique mondiale. C'est un PIB qui a doublé en 9 ans. Et donc, vous l'expliquez, hein, Philippe, cette dynamique exceptionnelle, elle est due à quoi? Elle est due effectivement à une population active qui est encore en croissance, à beaucoup d'investissements dans les infrastructures, même s'ils viennent de loin, dans le numérique également. C'est ça qui explique encore une fois ce boom. Oui, tout à fait. En fait, il y a une dizaine d'années, un petit peu avant l'arrivée de Modi, il y a eu un vent de libéralisation de l'économie qui s'est traduit par un certain nombre de réformes et qui a amplifié Narendra Modi, qui est très proche des milieux d'affaires, qui vient du Gujarat, qui est un peu l'état du business en Inde. Et donc cette dynamique, elle est partie, assez loin, hein. Le numérique se développe de façon très importante et c'est évidemment dans un pays où il y a énormément de transactions, d'économie informelle. C'est évidemment très important. Et puis aussi une ouverture des marchés. Mais disons qu'on est un peu à mi-chemin, comme d'habitude, avec l'Inde qui par le passé, a déjà connu des fortes croissances et puis après des déconvenues très importantes. Dans quel secteur l'Inde excelle aujourd'hui? On pense évidemment aux services numériques, mais pas seulement. Non, il y a un autre domaine, par exemple, qu'on peut citer, dont on a beaucoup parlé au moment du Covid, c'est la pharmacie. Hein. C'est le premier producteur mondial, notamment d'adjuvants et de principes actifs de médicaments. Donc c'est un domaine où ils sont extrêmement puissants. Et puis évidemment, vous l'avez dit, les services informatiques sont très développés. Mais au-delà de ça, maintenant, si on regarde les 4-5 grands conglomérats qui font une bonne partie de la richesse de l'économie indienne, on va retrouver des télécoms, de la... qu'est-ce que je voulais dire, du commerce, hein, du commerce de détail notamment. Ils sont assez en avance, notamment en matière de commerce électronique. Donc là, on voit que ça se diversifie. Il y a énormément d'investissements en ce moment dans le domaine de l'énergie aussi, et notamment d'ailleurs des énergies renouvelables, hein, qui se développent beaucoup. Il y a donc effectivement à l'intérieur de ça un vrai dynamisme qui est assez nouveau et qui s'appuie sur des hommes d'affaires très puissants et très liés aux politiques. Et le fait qu'ils soient liés aux politiques, ça conduit évidemment à se poser aussi quand même la question sur les vieux démons de l'Inde, hein, qui sont toujours les mêmes depuis l'indépendance de l'Inde, qui sont un niveau de corruption qui est extrêmement élevé, hein, qui est beaucoup plus élevé par rapport par exemple, par rapport à la voisine chinoise, un système éducatif qui lui aussi est très insuffisant. Ils ont des très très bonnes écoles d'ingénieurs, mais l'éducation primaire et secondaire est très insuffisante. Ils ont évidemment une structure sociale qu'on connaît, hein, qui est assez archaïque, où le système des castes est encore extrêmement puissant. Et puis au-dessus de tout ça, il y a des institutions politiques et la tentation de la dérive autoritaire, qui est celle de Narendra Modi en ce moment, qui avait été celle avant lui d'Indira Gandhi et d'autres. Et c'est un petit peu dans ce pays gigantesque de plus d'1,3 milliard d'habitants, le vrai défi à relever, c'est celui effectivement de ce changement de culture qu'il doit imposer. Philippe, avant de se quitter, vous mentionniez la Chine qui freine fort, on le sait, on l'a largement commenté ici. Et donc, on est aussi face à des investisseurs internationaux qui ont tendance un petit peu à bouder la Chine. Est-ce que l'Inde a vraiment un coup à jouer? Oui, très certainement, hein. D'abord, effectivement, l'Inde a, dans les avantages que je citais, il y a l'avantage démographique, hein, qui est au détriment de la Chine, puisque la Chine voit sa population décliner, ce qui va lui poser des problèmes macroéconomiques, économiques considérables. Et puis, il y a évidemment cette guerre froide entre les États-Unis et la Chine, qui réduit les exportations chinoises, qui réduit aussi ses importations, notamment de matériel stratégique.
Et dans ce domaine-là, tous les pays qui sont un peu autour de la Chine et qui cherchent à la remplacer. Hein. Donc on sait, il y a le Vietnam, le Bangladesh, il y a d'autres pays comme ça, mais évidemment, le plus important, c'est l'Inde. Et il y a un certain nombre de grands industriels. Hein. On peut penser à Foxconn, par exemple, le grand industriel taïwanais qui a presque 1 million d'employés en Chine continentale. Eh bien, ces gens-là essayent de se redéployer et d'ouvrir des usines en Inde. Il y en a beaucoup. Il y en a dans l'automobile, il y en a dans la technologie, un peu dans tous les domaines. Et à ce moment-là, on retrouve un problème qui est celui des infrastructures qui ont été. Je disais qu'il y avait eu pas mal d'investissements dans ce domaine-là, mais on sait que la Chine est très en retard dans ce domaine et c'est très important si elle veut continuer à attirer les capitaux étrangers. Allez, merci beaucoup. Explication signée. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe. Merci David.